À la tête de l'émission Affaires conclues sur France 2, depuis la rentrée, Julia Vignali se confie sur son nouveau rythme depuis qu'elle a quitté la présentation de Télématin. Un tout nouveau rythme pour Julia Vignali. Depuis le 28 août dernier, si est-il que les fidèles téléspectateurs de France 2 retrouvent aux commandes d'Affaires conclues, chaque après-midi. Après le départ de Sophie Davant, qui officie désormais sur Europe 1, la présentatrice de 48 ans avait choisi de faire ses adieux à Télématin, son collègue Thomas Soto, mais aussi ses réveils à 3h30, pour se consacrer à l'animation de la fameuse émission de Brocante. Inutile de dire que la routine de cette mère de famille recomposée a changé du tout au tout depuis la rentrée. Julia Vignali heureuse de passer plus de temps avec sa famille depuis son arrivée dans Affaires conclues. Interrogée par nos confrères de Gala, Julia Vignali se réjouit d'avoir retrouvé un rythme plus en adéquation avec celui de ses proches. « Désormais, je peux accepter des invitations à dîner en pleine semaine. » Et l'autre soir, j'ai regardé un film à la télévision avec mon fils, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 2 ans, confie la mère d'un garçon prénommé Luigi, heureuse de profiter de son rocker qui a fait son entrée en terminale cette année et se dirige, selon elle, à un avenir tout tracé dans la musique. L'épouse du comédien Kadomerade goûte aussi au plaisir des petits déjeuners en famille. « Je retrouve les gens que j'aime au petit matin, je peux passer les soirées avec eux, et si est-il très important pour moi, » assure-t-elle. Le regard de Caroline Margeridon sur les premiers pas de Julia Vignali dans Affaires conclues. Si l'arrivée de Julia Vignali à la tête d'Affaires conclues semble une bonne nouvelle pour la vie familiale de l'animatrice, Caroline Margeridon, acheteuse historique du programme, y voit-elle aussi une façon de dynamiser l'émission lancée il y a 6 ans. Julia est arrivée et c'était un grand moment de fraîcheur, confiait-elle dans le podcast Femme Actuelle. Ça va donner une nouvelle petite énergie à notre émission. Julia est très drôle, elle a mis sa patte, félicitait-elle sa nouvelle camarade. I just need